Salut tout le monde, c'est LexorHD, comment ça va? Moi ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rocket League pour vous montrer un petit glitch assez sympa et super rapide à réaliser. Donc avant toute chose, je vais envoyer la vidéo à la glitch.fr, donc merci à eux s'ils m'uploadent. Donc pour ce glitch, il y a récemment, je crois qu'il y a 6 mois de ça, je vous ai proposé un glitch qui permet en fait de marquer des buts instantanément. Donc là ça va être la même chose, sauf que ça sera un autre mode de jeu et beaucoup plus rapide à marquer des buts. Vous allez vraiment voir, c'est beaucoup beaucoup plus rapide. Donc vous allez lancer un match d'exhibition. Donc vous allez sélectionner le mode de jeu casse-brique, 1v1, 2v2, etc. On s'en fout, c'est pas vraiment ça le plus important. Pas de bot. Ouais, vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre pas de bot. Donc après, vous allez ensuite dans paramètres du mutateur. Donc là, vous mettez... Bon, je vous déconseille de mettre illimité parce que si vous quittez la partie, les points que vous allez gagner ne se compteront pas. Donc voilà. Donc moi, perso, je vais mettre 20 minutes. Score maximum, illimité. Tout ça, vous mettez standard, donc voilà. Nombre de boosts, vous mettez illimité, comme ça sera plus facile. Rumble, donc vous allez mettre crampons seulement. Donc voilà, puissance de boost X1, donc ça je crois que c'est par défaut. Gravité, vous allez mettre super forte, comme ça au moins vous allez bien rester à terre. Donc voilà. Ensuite, destruction, ça vous laissez standard. Et temps de reprise, désactiver mais réinitialiser. Donc voilà, donc dès que vous avez fait ça, vous pouvez dès à présent créer un match en solo. Donc voilà, donc là je vais prendre automatique, on s'en fout, peu importe la couleur, on s'en fout mais complètement. Donc voilà, donc là je vais attendre que la partie se lance. Voilà. Donc soit il y a deux petites techniques. Donc soit vous attendez d'avoir le crampon à chaque fois et vous faites des petits sauts. Donc comme ceci, etc. Ou soit vous faites n'importe quoi. Donc là vous voyez qu'il y a des petites lumières au sol qui sont apparues. Donc il suffit juste de faire ça. Voilà. Là, dès que la balle est comme ça, vous allez justement ne pas utiliser bien sûr le crampon, mais faire ceci. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire pendant 18 minutes. Donc il me semble, si je ne me trompe pas, vous gagnez à peu près 80 000 par partie. Donc déjà, c'est beaucoup mieux que l'autre. Je crois que l'autre, vous gagnez à peu près 6 000. Donc le glitch qui était similaire, sauf qu'il était un tout petit peu plus long à faire. Donc voilà, les buts n'allaient pas aussi vite que ça. Et là par contre c'est instantanément, c'est voilà, vous allez marquer peut-être 1000 et quelques buts. Donc voilà, c'est énorme. Donc moi je vous retrouve dès qu'il reste 30 secondes, comme ça au moins vous allez voir combien je pourrais gagner et combien j'ai marqué de buts sans rien faire bien sûr, et qui est instantanément. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Donc là, il nous reste 30 secondes et j'ai actuellement 1223 buts. Donc là, je vais me faire à peu près vers les 80 000 points. Et donc, ma barre d'XP va énormément monter. Donc, vous allez voir ça dans 14 secondes. Plus que 10. Hein, voilà. Donc là, je sais plus, j'ai marqué combien de buts déjà. 1252 buts. Donc, waouh, c'est énorme. Donc là, je crois que j'ai gagné énormément. Je sais pas combien, mais je pense vers les 80 000. 73 000. Eh, c'est déjà énorme. Déjà, j'ai passé un niveau. Donc c'est énorme. Donc la différence entre bien sûr ce glitch et l'autre glitch, c'est que l'autre glitch est beaucoup plus long. Donc je pense que c'était vers les 12 000, voire même 10 000 par partie. Là, c'est quand même... Vous pouvez aller jusqu'à 80 000 par partie. Donc voilà, donc là j'ai juste perdu du temps, etc. Donc voilà. Mais sinon, si vous faites vers les 1400, 1500 buts, je pense que vous les faites largement les 80 000, 1000 points. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vous dis bon game et ciao tout le monde.